Notre premier et suprême devoir est de défendre d'abord notre pays. Le Canada a déjà atteint et même dépassé la limite de son effort militaire. Victorieux, nous ne voulons pas être dans une situation pire que les peuples défaits. Oui. C'est très discutable, ce manifeste, tu sais. C'est le gros bon sens, tonton. Vous trouvez pas la fierté, ça rassemble tout le monde de la province de Québec? Oh my God, mais te voilà tout excité, tout emporté, passionné. Ça me surprend beaucoup, ma Colette. C'est notre avenir. Il faut bien qu'on s'en occupe. Si on laisse les politiciens faire la guerre comme ils veulent, c'est nous autres, les plus jeunes, qui allons payer le prix. You might be right. C'est Churchill qui disait, je crois, qu'il faut être révolutionnaire à 20 ans pour être un bon conservateur à 50. Non, 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 tonton, asseyez-vous. Partez pas tout de suite. Mais ça me fatigue un peu, Colette, toute cette querelle. S'il vous plaît, fuyez pas, là. Hein? Vous savez, tonton, on a besoin de vous. Je le sais, au fond, ce que vous pensez. Vous n'êtes pas un militaire comme les autres. Et puis ça compte pour vous, la vie de vos soldats. Oui, ça compte, comme pour tout bon officier. Mais tu vas pas essayer de m'embrigader dans ton... comment tu dis, la Ligue? La Ligue pour la défense du Canada, oui, justement. Oh my God! Mais justement, parce que vous êtes militaire, votre collaboration, ça peut avoir un poids considérable. Oh, penses-tu? C'est qu'un petit colonel de rien du tout. Non, mais rassemblez-vous, vous autres, les jeunes, si vraiment vous êtes convaincus, mais laissez de côté les vieux radoteurs comme moi. Nous ne pourrions que vous ralentir. Parlez pas comme ça. J'ai souvent l'impression, tonton, que votre âge, ça vous sert de prétexte. Vous pouvez pas démissionner comme ça. Vous avez des responsabilités vis-à-vis de nous autres. Vous êtes dans la force de l'âge. Bien, il faut que vous fassiez ce que vous avez à faire, nous montrer le chemin. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, Colette? Qu'est-ce que tu sais de mes convictions véritables? J'aurais de très bonnes raisons, finalement, de favoriser la conscription et le plébiscite. J'en crois rien, je vous connais. Mais de toute manière, si j'ai quelque chose à faire, ça n'est certainement pas dans un mouvement de jeunes. Il n'y a pas juste des jeunes. Henri Bourassa, Maxime Raymond, c'est pas des jeunes, ça. Le docteur Philippe Hamel, René Chaloux, c'est pas des jeunes non plus. Non, mais est-ce que tu te rends compte, Colette? My God, ce serait de la trahison. Un commandant militaire qui s'engagerait sur le terrain politique... contre son gouvernement et finalement contre toute l'armée? Non, mais est-ce que tu imagines? Il faut mesurer les risques, c'est sûr. Agir avec stratégie. Et tout cela en pure perte, un sacrifice inutile. Pas en pure perte, ça je suis convaincue. Je suis sûre que le comité serait très content de vous faire une place. Ce serait très important. Non, c'est tout à fait impossible. Tonton, nous autres les plus jeunes... c'est certain qu'on comprend pas toujours tout. Et c'est important que les gens qui ont de l'âge et de l'expérience nous disent la vérité. C'est important qu'ils nous montrent le chemin. Puis c'est important qu'ils aient du courage aussi. Si le monde a peur de dire ce qu'il pense, on fait la guerre pour rien. C'est pas vrai, la démocratie. Il a l'air tout à fait troublé. Je vous le jure, tout à fait. Et j'ai pas l'habitude, vous comprenez? Un monseigneur? Eh ben, dis donc, vous y allez? Je sais pas, mais il y avait un large ceinturon rouge sur un petit ventre. Un petit monseigneur, de toute façon, si c'en était un. Et il vous faisait la cour? C'était un peu à son insu, je crois, malgré lui, mais vous comprenez? Oh, oui. Les yeux un peu humides, la rougeur au cou, une timidité épouvantable. Et des grands mots pour rien dire, et des regards, mon Dieu, j'en étais, je sais pas, ça m'imposait comme une sorte de pudeur immense et ridicule. Eh ben, dites donc, vous vous dévergondez? Oh, pensez-vous. Mais c'est quand il a voulu me faire visiter les serres du collège. Oula, tout ça à Sainte-Anne de la Bocatière. Eh ben, il s'en passe de belle chez vous, ma bonne amie. On a quitté la réception, ses convives. On était là tous les deux dans ces immenses corridors. Il savait pas trop quoi dire, moi non plus d'ailleurs. Nos pas résonnaient à l'infini. Mieux en mieux.
On ne s'ennuie pas dans la Croix-Rouge, vite. Non, vous avez beau vous moquer. Et là, comme ça, en passant devant une porte, il me dit, c'est ma chambre. Et là, il devient écarlate et presse le pas comme s'il y avait une meute à ses trousses. Alors, moi, j'ai pas pu m'empêcher de rire. Vous avez été tentée. Par lui, oh, non, certainement pas. Non, 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 non. Mais la situation était tellement bizarre. Par la fenêtre, je pouvais apercevoir les séminaristes, vous savez, les grands collégiens qui s'essoufflaient sur la patinoire. Et tout dans cet immeuble respirait comme une sorte d'austérité provocante, trop mâle, trop viril. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pour une bonne catholique comme vous, quel péché adorable! Faire ça avec un prêtre dans un séminaire. Non. Quelle délicieuse culpabilité, quel beau sacrilège. Non, jamais j'aurais même osé y penser. Oh. Mais là, j'ai comme senti monter en moi le goût de la vengeance. Tellement fort que ça m'étourdissait. De la vengeance? Oui. C'est comme si toutes les femmes délaissées, méprisées par ces hommes, réclamaient de moi un geste excessif, dénonciateur. Mais alors, Marie, vous l'avez fait? Non, voyons. Non, mon bel énergumène avait pris les devants et il me criait qu'il fallait que je visite la chapelle dont j'admirerais ses tableaux où il y avait beaucoup de passion et de retenue. Oh, c'est du délire! Ah oui, il me semble. Je sens que vous allez avoir une très mauvaise influence sur moi. Mais c'est des vergondages qui envahissent cette maison. Ah, il est grand temps que je parte d'ici. Partir? Eh oui. On me rappelle à Londres. Le général de Gaulle réorganise toutes ses forces. Nous sommes plus de 100 000 maintenant. Et puis avec Pierre Laval qui reprend le pouvoir à Paris, tout recommence à bouger très très vite. Ma petite vacance aura été de courte durée et je vais la regretter. Vous avez recommencé à jouer les espionnes. C'est pas moi la plus délirante des deux, ni la plus ridicule. C'est invraisemblable, votre entreprise. N'est-ce pas? Mais quelle époque merveilleuse nous vivons. Qui aurait pu croire que des femmes comme nous connaîtraient de pareilles aventures? Oh, parlez pour vous. Eh bien, moi, tout au moins, je ne corromps pas le clergé. Oh, Geneviève! Marie! Ah, oui, Tancred! Bonjour, Marie, Geneviève. Est-ce que vous parlez, vous aussi, de la conscription et du plébiscite? Non, pas du tout, non. Ah ben tant mieux, parce que je n'aurais pas pu le supporter. Mm. Vous êtes vraiment les seuls dans toute la ville de Québec à résister à cette folie. J'arrive d'un dîner au Kiwanis. Brigadier Vanier était conférencier. Il a pris parti publiquement pour le oui au plébiscite, mais très fermement. Votre ami? Ben, mon ami et mon supérieur. Je suis coincé, moi, comme un rat. La demande de Colette, ça m'a touché, my God. Ça m'a beaucoup touché. Elle a les enthousiasmes nombreux. Vous le savez aussi bien que moi, mais ça dure pas toujours. On a eu droit au mysticisme, à la veuve et à l'orphelin. Hier, c'était le théâtre. Aujourd'hui, la politique. Non, j'aime pas qu'elle vous sollicite. Non, mais il ne faudrait pas décrier son engagement. Elle posait de très sérieuses questions, de véritables questions. Tout de même, colonel, les États-Unis mobilisent. En URSS, c'est tout le peuple qui combat, 190, 200 millions. Hitler appelle les 10 à 14 ans, vous vous rendez compte? Les 10 à 14 ans des bambins. Vous ne croyez tout de même pas pouvoir soustraire votre petite province, si charmante soit-elle, à cette révolution qui balaie le monde? Non, madame, certes pas, et c'est bien ce qu'il y a de plus grave. Comment? Vanier est un vieil ami. Pourquoi est-ce que je ne peux pas, comme lui, garder une foi de soldat simple et solide? Vous avez une expérience de la guerre très personnelle, très particulière. Je crois acquérir la mienne, mon expérience. Maintenant. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle m'interdit en tout cas de me désengager. Et vous savez que je n'étais pas la dernière parmi les objecteurs de conscience, mais il faut tout de même se rendre à l'évidence. Mais moi, je n'arrive pas à écarter la pensée que nous nous sommes battus pour rien en 14. Cette guerre n'a rien réglé, my God. Rien du tout. Et qu'est-ce que me promet celle-ci? Guerre mieux, je le crains. Merci. Si vous avez raison... J'aurais tout perdu. Tout. Ma chère Geneviève,
Tout le monde peut se permettre de douter, puis de croire. Tout le monde, sauf le militaire que je suis. Celui-là seul n'a pas le droit de laisser troubler sa conscience. Que faire d'un vieux colonel qui ne veut plus se battre? Ça vous honore si tous les militaires avaient les mêmes scrupules que vous. Pensez-vous. Colette m'a fait me jurer que je n'aurais même pas le courage de mes opinions. Hey! Qui c'est vous, oui? Rapporte-nous ça, puis ramène-nous la même chose. La même chose au pluriel. Sans crainte, on peut pas compter sur lui. Il dit des affaires de même, mais il fera rien. C'est son genre, ça. Douter. Mais quand il a le temps de faire de quoi, un autre paire de bottines. J'aurais donc dû lui demander, hein, pour voir. Un colonel, c'est un colonel. Ça restera toujours un colonel. Ben, patriote, c'est un patriote. Il y en a des fois qui restent patriotes. Hein? Ouais, charle-moi pas, toi, là. Je vais te le chercher. Ça fait qu'arrête de picosser. Il y en a-tu beaucoup, des comme toi, à Valcartier? Beaucoup. C'est-à-dire que ils sont contre la conscription, là, qu'ils vont voter non au plébiscite? Ah, ça, je sais pas, là. Moi, je pensais des comme moi. Comment ça, des comme toi? Ben, des Batman comme moi, hein, par officier. Tout décraqué sur le pipi. Décraqué au pluriel. Faites le craquer, c'est à ton tour, pays. Ouais, quasiment rien bu. J'ai donc dû. Oh, regarde ce pipi, regarde. Un collet romain. Épais! Au pluriel, Saint-Toupie, épais! Ouais, on fera pas bien gros de millage au camp de Valcartier, là. C'est comme au camp de Lauzon, ça. Alors, c'est un peu pis les soldats pis les volontaires, c'est pas notre gang, ça. La moitié, c'est des zombies. Ça se fera-tu, ça? Partir un mouvement des soldats pour le nom à Valcartier. Ben, pour moi, les gars, il y aura peur. Oui, mais si c'était le colonel qui était président. Ah, ça, ça serait une autre affaire, par exemple. Hey, moi, avant, j'étais sacristain à Saint-Élie de Courchier. Quoi? Et quand le curé s'est venu. T'étais sacristain? Oui. Hey! Ça n'en est pas un! Inquiète-toi pas, là, ça n'en est pas un! À qu'est-ce que tu parles là, non, là? À l'espion. L'espion des MPs. Hein? Celui qui me suit partout pour savoir à qui c'est que je parle. Je te l'avais dit, mon petit. La chapelle, c'est pas une place. On va se faire voir. Prends vent, oui. Mets-toi pas à parler comme Flord, voilà. Non, non. J'ai dit que j'y dirais quand je rencontrerai un vrai traître, là, tu sais, un ennemi de la patrie, un Britisher à l'envers. C'est arrivé juste une fois. Quand on a vu passer la Chrysler du cardinal Villeneuve. C'est sûr que mon nom est sur la liste à cette heure. Tu m'avais dit que tu prenais toutes les précautions. Désenfoué ce pipi, là, OK? J'y ai dit que t'étais mon petit cousin. Il fallait que je te voie pour te faire rentrer dans l'armée. Ouais. Mais salut, mon homme. Reste assis, là. Tu vas te faire remarquer. Reste assis. La milliard, là. Les gars, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ils avalent tout ça à Valcartier. Le milliard de quoi, là? Ce pipi reste avec nous autres. Il est pas dangereux, je te dis. Ah. Le milliard que le gouvernement du Canada a fait en cadeau à l'Angleterre avec la conscription. Hein? T'as pas lu ça dans les journaux, là? Jean-François Pouliot, là? Jamais une nation non vaincue n'aura payé un tel tribut. T'as pas lu ça, là? J'aurais donc dû, hein? Dans quelle gazette? Décraqué tout! Du chapeau, décraqué du ciboulot, décraqué de l'oxyfut, décraqué au plus que parfait. Il peut pas nous aider, ce gars-là. Je te l'avais dit, ce bébé. Je sais pourquoi vous m'avez fait venir ici. Vous vouliez que j'y parle au colonel, hein? C'est ça? Hein?
Ben, on va aller finir ça à l'hôtel Saint-Roch. OK. Étends ça, vous plaît. Hey! Viens avec nous autres. On s'en va courir dans la guidoune. Puis toute la troupe se retrouverait en face de la gare du Palais, la fanfare du 22e en tête, pour la March Past. Vous feriez présentation des certificats aux officiers pour la promotion d'avril, et c'est là qu'interviendrait le train exposition. Ah. Et c'est le général Deschênes qui vous a suggéré cette parade? C'était beaucoup plus qu'une suggestion. Il semble y tenir énormément. C'est un très long parcours. C'est presque la moitié de la ville. Il me l'a pas dit, mais j'ai eu l'impression que ça concernait le plébiscite. Ah, des manœuvres de propagande. Je vois. Le général aimerait aussi qu'on dispose des cordons de sécurité dans tout Québec le 24 pour l'exercice d'obscurcissement. Ah oui? Le plus d'hommes possible, pour que la population se rende compte de la protection que lui fournissent ses soldats. Et à deux jours du vote, il n'y va pas de main morte. Je pense qu'il tient beaucoup à ce que les Canadiens français disent oui. All right. Quand est-ce qu'il vous a demandé tout ça? Il m'a téléphoné hier d'Ottawa. 15h45 environ. Ah, mais j'étais ici. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas parlé à moi? Je lui ai fait savoir, mon colonel. Il semblait très impatient. No use, just tell him to do it. C'est ce qu'il m'a dit. Évidemment. Si vous permettez, mon commandant. On en parlait au mess la semaine dernière. Nous autres ici, on sent bien que ça vous laisse mal à l'aise, toute cette situation politique. Mais on peut pas... Le Canada peut pas éviter ça, la conscription. Mais qu'est-ce que nos alliés diraient? On aurait l'air de quoi après la guerre? Après? Tu aurais-t-il jamais d'après? Mais on va la gagner! Rommel en Afrique est épuisé. En Russie, les divisions allemandes se font gruger petit à petit. C'est vraiment pas le moment de lâcher. Écoutez, c'est peut-être pas correct la manière de Mackenzie King, mais ce qu'on se dit, c'est qu'il y avait probablement pas le choix. C'est plus difficile, vous ne pensez pas, Major, d'aller se battre pour des démocraties de ce genre-là? Disons que c'est une coche mal taillée. Mais au fond, c'est une toute petite affaire. 3 mois après le plébiscite, on n'en parlera même plus. Allons donc, ça dure depuis 1917. And it will go on and on. All right. Prenez en charge tout cela, organisez les choses comme le demande le général, puisque vous y croyez, vous, et que c'est à vous qui s'est adressé. Prenez pas ça comme ça, colonel. Non, merci, major. Mais non, vous n'y êtes pour rien. Dismiss. Ça serait-tu correct, là, si j'entrais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a par vous? Je voudrais vous parler, mon colonel. C'est à propos de la conscription. Oh, my God, pas vous aussi. Oh. Tu manges trop vite. Oh, excuse. C'est l'assemblée au Palais Montcalm ce soir, j'ai hâte de voir. On a tellement travaillé. Je sais pas combien on va être. Tu peux quand même manger calmement. Il devrait y avoir au moins 1000 personnes. C'est pas plus, hein? C'est la grande réunion de la Ligue. Maxime Raymond va parler, le docteur Philippe Hamel, Gérard Filion.
Est-ce que t'entends ta crainte de rappeler? C'est pas correct, les pressions que tu fais sur ton oncle. Je lui ai juste demandé de venir en spectateur. Il peut pas faire moins que ça. Tu te rends pas compte du déchirement que c'est pour lui, toute cette histoire? Je sais qu'il est vieux puis qu'il peut pas tout comprendre. Ça fait au moins 2 semaines que je lui en parle plus. Mais venir voir à l'Assemblée, ça l'engage à rien. Ça peut pas lui nuire. Personne ne peut lui reprocher. C'est peut-être toi qui comprends pas tout. C'est toute sa vie que Tancrède remet en question. L'idée même de la guerre. Tu devrais trouver ça extraordinaire, quel courage de faire ça à son âge. S'il y avait le courage, justement, le courage de le dire clairement. Laisse-lui le temps. Mais on n'a pas le temps. C'est la semaine prochaine, le vote. Je suis pas certaine que ce soit si important que ça, le plébiscite. La vie va continuer après. Oui, mais quelle sorte de vie? La liberté, est-ce que ça existe pour vrai? C'est ça, la question. Il y a bien des sortes de liberté. Il y a aussi celle qu'on a au-dedans de soi. De quel bord tu vas voter, toi? Dire non, là, ça veut pas dire qu'on fera pas la guerre. Ça veut juste dire qu'on veut y aller librement. Parce qu'on y croit, pour ceux qui y croient. Tandis que dire oui, c'est se laisser enrégimenter, comme des esclaves. De la chair à canon! Il me semble que pour tonton Tancrède, le choix devrait être très clair. Et pour toi aussi. La liberté, ma fille, ça commence peut-être par tolérer que pour certains, les choix paraissent moins clairs, parfois. Marie! Marie! Vous avez vu dans l'Action catholique l'éditorial? La montée juive. Dans l'intérêt des Juifs eux-mêmes, sachons la contrôler. On parle beaucoup d'empiètement juif à Québec en ce moment, et c'est avec raison. Il paraît que cet élément ethnique inassimilable profite des circonstances engendrées par la guerre pour mousser ses affaires chez nous. Mais dans quel coin de pays sommes-nous? Je ne comprends pas. Comment peut-on? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui prétendent faire la guerre aux nazis tout en partageant ce qu'ils ont de plus méprisable? Oh, aidez-moi. Je ne veux pas apprendre à détester ce pays. Non, Geneviève.